Eh bien, salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mad Max, ou comme je dirais, Mad Max! Ok, aujourd'hui, on va taper des forteresses. Hein? Oui, on va taper les forteresses, pas les gens à l'intérieur, on va frapper sur la forteresse en elle-même. Donc, je rappelle, au dernier épisode, on voulait aller chercher la dernière pièce de puits de pétrole ici, dans la station de pompage. On va commencer par ça. Et j'ai les emplacements de la réserve d'eau. Il nous faut deux pièces de réserve d'eau. Et après ça, on va avoir amélioré la forteresse de Pinkai au maximum. Donc, il y a une réserve d'eau là. Il y a une pièce de réserve d'eau ici. Ce sont deux décharges. Ce ne sont pas des forteresses. En tout cas, si je me fie à la description, les décharges peuvent renfermer des objets utiles. Fait que, ouais, c'est des décharges. Donc, ça devrait aller rapidement. Et si après ça, il nous reste du temps, ben on va se taper d'autres forteresses, ainsi qu'à l'ancienne, les snipers et tout ça, histoire de baisser l'indice de menace dans la région de Pinkai, parce qu'on a des améliorations intéressantes sur la Magnum Opus à faire avec la région de Pinkai. Bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais on va s'en contenter pour aujourd'hui. Ok, est-ce que le soleil se lève ou il se couche? J'ai l'impression qu'il se couche. Ce n'est pas un problème. On va essayer de les courser. Essayez de me suivre! Ils suivent la route. Sorry, losers. Oh là, on va tellement vite. Tellement jouissif. Ok, à chaque fois que j'ouvre le jeu, à chaque fois que je commence, je m'étonne à quel point ce jeu-là est génial. Comment est-ce qu'on peigne ce jump par ici? Par ici. Ok, j'ai perdu toute mon accélération. Regardez ce qu'on va faire. On va tester. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne les jumps sans poids? Avec le V8. Oh. Ok. Hop. Wouhou! Un petit peu trop. Et là, juste avant l'atterrissage, c'est un but pour la Magnum Opus. Allez, on continue. Max Chumbucket, meilleur pilote de l'histoire du pilotage. Ok, toi. Oh, t'as jamais compris ce qui vient d'arriver. Il a pas eu le temps de voir la mort approcher. Ah! Non, je suis con. Je pensais que c'était des gens qui avaient besoin d'eau. Mais non, c'est une réserve d'eau. Je me sentais généreux. Bonjour! Je vous dérange pas trop, j'espère. Attends. Ça va? Vous vous en sortez? Vous êtes confortable en arrière? Ah, j'arrive pas à regarder en avant. Bon, il disait que ça irritait. Il disait que le siège était mal ajusté. Donc, je l'ai laissé s'en aller. Oh, ah ouais. T'as résisté à ça, toi. Ah, mais il y en a donc bien des chars perdus sur le bord du chemin. Est-ce que c'est un épouvantail ultra solide à marquer dessus? Probablement que oui, on dirait bien. Ouais,
pourrais jamais faire cet épouvantail-là, hein, genre. Est-ce que je peux garrocher le gars sur l'épouvantail? Non, je pense pas. Attends, comment je pourrais détruire ça sans avoir le grappin? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut sauter? Parce que le grappin, si je me souviens bien, il faut réduire l'indice de menace à 0 sur le territoire de Jeet. Territoire de Jeet à 0, on peut faire une croix là-dessus. Toutes les champs de mine. Ugh. Non, je pense pas que c'est possible. Il va falloir faire ça. Hein. Il va falloir réduire l'indice de menace sans cet épouvantail-là. Ça devrait être faisable. Sinon, on trouvera bien un moyen. On trouvera bien un moyen. Ne vous inquiétez. Oh, 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 oh. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et où la forteresse là? Attends, on s'y dirige. Oh, mon dieu, c'est donc bien loin. Ok, on va se taper les snipers avec le sniper. Je ne vois rien. L'assistant à la visée. Non, ok. Attends. On va commencer par tout loquer. Apparemment, c'est pas un sniper. Ok, c'est parti. Ah, c'est un sniper. C'est un assaut manqué. Je crois que. Mais allez, mes Chum Bucket me vise. Raison inconnue, ce sniper est protégé. Bon, peut-être pas tant que ça. C'est quoi, c'est deux forteresses? Messieurs, où est la porte d'entrée?
Ah, il est là. Juste pour le plaisir. Parce que c'est satisfaisant. Ok. Restriction harpon. C'est pas un problème. Je n'y vois aucun inconvénient. Hop là! Perfect, perfect, perfect. Ah! C'est que je suis un peu coincé. Hop là! Ok, c'est bon. On s'est mieux stationné. J'imagine que quand je vais entrer là-dedans, tout le monde va m'attaquer. Donc j'ai un plan. On va s'amuser, vous allez voir. S'il y a de l'essence. Ouh. Oh, j'ai une idée. Voilà, plus de pétrole. Le pire, c'est qu'on pourrait s'en aller sans faire la forteresse. On a ce qu'on est venu chercher. Mais. Attends, 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 monsieur. Monsieur, j'avais un plan. Vous ruinez tout. C'est bon? Ok, c'est bon. Ensuite, on lâche ça là. C'est une technique très poussée, hein, ok? Une technique qu'on pratique depuis un certain temps. Ça s'appelle le piège. Laissez-moi juste sélectionner le bon outil. Voilà. Me positionner de la façon appropriée. Voilà. J'ai même pas. Je peux tout faire sauter. J'ai même pas besoin de tuer les gens en fait. Mais. Ah, très bien. Ok. Il y a juste personne dans la forteresse. Excusez. Il y a juste personne dans la forteresse apparemment. Un sur quatre, une ferraille sur 10 et s'étend sous terre. Ça dit c'est une forteresse de niveau 5, hein? La deuxième forteresse qu'on a vue là-bas. Ah, d'accord. Donc c'est une forteresse en plusieurs étapes. Ah, c'est dommage. Bon, on ferait mieux de s'en aller. Ouais, voilà, ok, la suite est là-bas. D'accord. Ben, attends, est-ce qu'ils s'en viennent? Non, ils s'en viennent pas. Ok. Lance bâton de feu. Oh. Ça avait pas des weak spots, ça? Non, ils sont renforcés. Tout ceci est bien étrange. Bon, allez, on y va.
Ça a pété! Y'en a-tu d'autres? Non, c'est mort. Ah oui! Ah oui, que vois-je là-bas? Non, non. C'est pas ça. Bonjour! Je pense qu'on est bon. Mais c'est vide. Il y a personne. Allô? Les défenseurs de la forteresse, c'est des voitures ou quoi? Je comprends pas. Bon. Écoute, c'est pas nécessairement un problème, hein, en soi. Ah! C'est beau. J'ai lâché au lieu de le lancer. J'en avais pas d'autres comme ça? Oui, parfait. Ah, puis en plus, c'est une puits de pétrole éternel. Laissez-moi juste... Voilà, le lancer cette fois-ci. Merci. Seulement 4 sur 7? Donc c'était... Peut-être que là-bas, c'est bel et bien... Des trucs qu'il faut péter. Je sais pas, il va falloir les chercher. Ça existe une forteresse de niveau 5, mais il n'y a pas vraiment de résistance. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il n'y a personne. Ben ok. Bon, déjà toi. Voilà. T'es mort, t'es un sniper. On va aller voir là-bas. Toi, t'étais à la mauvaise place au mauvais moment. Sur 7. C'est sur 7. 7 sur 7. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, ben c'était... c'est une station de pompage différente de celle à laquelle on est habitué. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. Fallait faire ça en voiture. D'accord. Oh. Pourquoi ce bâtiment-là? Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Oui, on peut! Quelle étrange construction! Sur 10. Et finalement...
10 sur 10, voilà. Bon, il manque juste un emblème, on s'en fout un peu. Je me suis pété le genou. Ah, ok, c'est bon. Bon, ben ça c'est fait. Maintenant, ici. En chemin. Il y a lui, mais on sait qu'on peut pas le détruire. Il y a une forteresse ici, on verra. En chemin, il y a ça. D'abord et avant tout, il y a ça, puis il y a ça. Parfait, on va faire ça. On va l'avoir, notre moteur, notre dernier V8. Ouais, je vais prendre la route. J'hésitais à faire du off-road, mais je pense que ça va être plus rapide de prendre la route. Tu penses-tu? Attends, on est-tu malade? On s'essaye-tu? On s'essaye. Faut bien qu'on teste la voiture. Intéressant. Non. En plus, j'y suis déjà allé. Allez! Ah, yes, on a franchi la montagne. Et voilà! Regardez! Ah mais non, ça revient au même, on a juste trouvé une autre route. Le GPS nous a ramené sur la route. Ben, maintenant on peut y aller en ligne droite. Hop, on cheat un peu. Hop. Et voilà. C'est quoi ça? C'est une forteresse que j'avais jamais vue? Ben oui, Gadon! On est où? L'étouffoir! Ben pourquoi pas? Est-ce qu'on peut sniper? Ah, dommage. Ah, c'est quoi l'espèce de coup de vent qui a soulevé? Vous avez vu? Il y a eu un coup de vent qui a soulevé la Magnum. Excusez-moi, monsieur. Ah, merci. J'ai des responsabilités, moi, là. Mais... Yes.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je suis mort. Waouh. C'était quoi ça? J'ai traversé la forteresse de bord en bord. Je m'y attendais pas. Ah, c'est donc bien bizarre, les forteresses dans cette région-là. Elles sont bizarrement construites. Il faut que je m'habitue. Mais je pensais qu'il y avait un fond, en fait. Je pensais pas que j'allais la traverser de bord en bord comme ça. Ah! Je suis apparu à l'intérieur de la forteresse. C'est assez particulier, ma foi. Je vous avouerai... Ben voilà. Si on peut éteindre ça. Mission d'infiltration, apparemment. C'est pas ce que je voulais faire à la base. Je voulais planter la lance dans le dude. Mais, ah, oh, c'est mal fait, cette forteresse-là. Pourquoi je suis apparu à l'intérieur? Attendez, là. La magnum est de l'autre bord, c'est ça le problème. Mais je peux rien faire, vous me faites spawn à l'intérieur. Ben oui, mais je vais mourir. Vous me faites spawn à l'intérieur de la forteresse, vous êtes drôle. Ah, c'est ridicule. Bon, au moins maintenant je devrais apparaître à l'extérieur, non? J'espère. Mais c'est débile comme bug. Non, ils me font revive à l'intérieur. Si je la traverse de l'autre côté. Ah ben tiens, un véhicule. Ah, voilà. Bon, là, on peut parler, là. Bon. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Ça là. Bon, il est jump, il veut pas tirer. Ah,
C'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Ça dit qu'il est pas détruit. Ça ici. Ça, on va faire péter ça. Voilà, 4 sur 8. Ça fait beaucoup quand même. Ensuite, ici sûrement. Du Dinkidi. Ok, on continue de monter. S'il y a des lances. Très bien, on a fait le tour. Bon, l'essentiel, la minimap. Il y a des points rouges. En dessous de moi. Est-ce qu'ils sont en dessous de la forteresse? Attends, on va checker dans les airs avant. Non, ils sont pas dans les airs. Et ça ici. Hein? Il y a un autre passage là. Il y a ça ici. On va remplir la gourde tant qu'à faire. On est là. Voilà, ça c'est fait. J'ai comme l'impression que la forteresse s'étend en dessous de nous. On va aller jeter un petit coup d'œil. Ah voilà, ok, ils sont accrochés, ouais, ouais. Toi. Juste à côté du trône. Miam. S'il te plaît, Max. Oui, voilà. Bon. Ben voilà. Il en manque plus qu'un. J'arrive pas à voir le point sur le milieu. Attends, le point, je le vois pas, il est caché. Il faudrait que je déplace la magnum pour voir. Il a l'air d'être là où la magnum elle est. Ok.
Ok, j'étais venu ici. Il a l'air d'être là où la magnum elle est. Il a l'air d'être caché par l'icône de la voiture. Il serait quelque part par ici. Non. Où est-ce qu'il est? Problème à ce que la touche X, ça serve à toutes les actions, c'est que je suis en train de lâcher ma lance. Attends, j'ai déplacé la Magnum, j'ai l'impression que son icône la cache. Oui, mais voilà, mais je suis pas fou, hein, c'est ça. Voilà. Oh, c'est un drôle de campement, hein. C'était un drôle de comment ça fait combien. Ça fait 36 minutes, mon dieu, ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Je m'attendais pas à tomber sur un campement ici. Je l'avais pas vu avec les jumelles. Bon, c'est tant mieux, ça réduit encore plus l'indice de menace de Pink Eye. Prochain épisode, on va aller chercher les pièces de réserve d'eau. Et puis on va continuer notre bonhomme de chemin. On réussit à faire plusieurs missions en même temps, c'est bien. Et puis, j'attendrai pas trop avant d'aller faire les missions à Petroville puis chez Deep Fryer. Parce que ça me tente aussi de continuer d'avancer dans l'histoire. Oh, oh, il reste un convoi ici. Chez Good Cash, c'est bon ça. Je pense qu'il reste pas d'autres convois nulle part. Hein. Probablement que la mission à Petroville, c'est une course. Si c'est le cas, je la ferai pas parce que les courses, ça me fait chier. C'est pas... Ah! Ah, il y a quelqu'un. Ok, non, c'est des gentils, c'est vrai. Ok, fait qu'on va se laisser là. C'était un drôle d'épisode. C'était des drôles de forteresses. Faut dire, c'est un petit peu normal. On est totalement au nord, près de Petroville. Donc, je m'attendais à des forteresses standards. C'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre. Parce que depuis le début du jeu, je farm des forteresses qui sont toutes pareilles les unes que les autres. Et quand je tombe sur des forteresses bizarres, moi, je m'attendais à quelque chose de classique. Tu détruis... les défenses extérieures, tu rentres en dedans, tu frappes tout le monde dans la bouche, puis ça finit là. Mais c'est un petit peu plus poussé, puis c'est une très 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 bonne chose. C'est juste moi qui est un petit peu débile des fois, puis je comprends lentement. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!